regardez pas. Moi, je suis Louis, puis je marche sur des cordes. 7 cordes. Moi, c'est l'or, puis je dois tirer des strings. Ouais, ben, je fais du bruit avec la bouche. Comme lui, on a pas. C'est pas le bon nom. Quoi? Tu sais, je fais du bruit avec ma bouche, mais rien quand je dors. Bon, lui, c'est quand il fait ça de vrai. Faut se prendre le micro. Louis qui dort. Ça y est, ça part. Ceci n'est pas un gag. Ok, 2011 a été une grosse année pour vous autres, sortie du CD et album, sortie d'un clip aussi. Quel est votre highlight de l'année passée? De 2011? Il y en a une couple. Ouais. Il y en a beaucoup. Le premier, je dirais la première place iTunes, vente métal au Canada, numéro 1, en partant, ça a duré comme une semaine, je pense. Ça a été très cool. On l'a appris, on attendait l'avion pour aller en Europe. Puis ça aussi, c'est un autre highlight, l'Europe. Paul, l'Europe. Moi, je me rappelle d'une chose, ben non. Oh, anecdote. La chose que lui se souvient pas, tu sais. Ben, tu vois, en Europe, c'était. Ça, là, c'est un pas pire highlight pour Nevermore Than Rest, mais la Perline Backer en version 1 litre en caisse de 6, c'est ça que le Québec devrait toujours avoir. Ça, c'est mon highlight. Ouais, mais je dirais pas l'autre highlight. Lui, il sera pas content. Moi, mon highlight, c'est un highlight que nos chums Ali ont vécu sur stage. Puis c'était l'automne dernier, quand on a joué, puis qu'un gars a tombé assis sur stage, puis il y a eu un pied de micro pogné dans les deux profondes. Ouais. Pendant à peu près 45 secondes, ça, c'est mon highlight à vie de Nevermore Than Rest. J'ai tellement trouvé ça drôle que je veux l'en voir encore et encore. J'aimerais ça que quelqu'un l'ait filmé. Imagine un gars dans le vide en train de se promener avec un pied de micro dans le cul. C'est quand même très cool. On n'a pas le choix de dire merci Dolbo. Ouais, Dolbo. Yeah. Ok. Vous avez tourné King of Your World aussi l'année passée. Comment ça a été de travailler avec Jesse qui s'en vient de plus en plus en demande, Monsieur Fuchs? Ben, regarde Jesse, c'est un œil complètement extraordinaire. On a eu tellement de fun de tourner avec lui. C'était crissement occupé, une journée de 16 heures. Puis c'est super. C'est un malade. Non, c'est cool, Jesse est super positif tout le temps. Puis tu sais, comment je dirais, le stéréotype, là, le cliché de l'animateur de foule là, qui est toujours positif, qui traîne tout le monde, ben c'était ça. Là. Ça faisait 12 heures, il y en a qui avaient été assis pendant 4 heures parce qu'ils attendaient leur scène pour les figurants, whatever. Puis lui, je pense, en 16 heures, je l'ai vu manger une sandwich, puis la moitié d'une sandwich. Puis le reste du temps, pendant qu'il tournait une scène, il préparait l'autre, puis il pensait à l'autre d'après. Il a repensé à celle qu'il avait faite, comment qu'il pourrait en faire mieux. Ça a été une journée hyper productive. En fait, un crisp en cours, comme on dit, de bord en bord. Là, vous n'avez tourné un autre clip, là. Mais là, il y a du monde qui s'en rappelle peut-être plus, là. Tu sors quand, là? Ça dépend que c'est quand le français, ça va y tenter. Ça dépend. C'est Paris qui va décider. Envoyer des pétitions au maire de Paris pour que notre réalisateur décide de faire un montage éventuellement. Le maire de Paris n'étant pas Nicolas Sarkozy. Non. C'est qui parle de Paris? Aucune idée. Faisons. Mais bientôt idéalement. Quelle tonne, là? Les gens l'ont oublié. C'est pour chanson avec Les singes. Les singes qui portent le nom de Dieu. Ouais. Ok, vous avez comme pas le droit de le dire. Ah oui, on est là. Travaillez encore un peu pour l'Europe, c'est quand votre prochain départ? Quand le plus vite possible. Ouais. On le sait pas encore, mais ça se travaille. Ça s'en vient. Il y a des choses qui se trament, puis il n'y a pas rien que l'Europe. C'est 2012, fou. C'est sûr. On sait pas quand encore. Ouais, 2012, quelque part 2012. On a bien hâte. Je pose tout le temps, je dis des mots, puis vous devez me répondre en un mot, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça. Vinyl. Overrated. Porno. Reviews. Maudit bon beat. Facebook. Gang d'accro. J'ai timeline. J'ai plus de temps dans ma vie. Triste. CD. Comment? CD. CD. Ouais. Bon, c'est date. Sous verre. Collection. Hein? Scène locale.
essaye de survivre. Fais de ton mieux, on aime quand même ça. Je dirais reprendre du poil de la bête. Moi, j'adore même le... dans les hauts et les bas. C'est... J'adore. C'est l'amour de mes vies. Mais sans joke. Mais sinon, il y a de la place pour un vrai amour dans sa vie. Hein. Ah. Ton numéro de téléphone, c'est le... Oh! OK, 2012, c'est quoi qui s'en vient pour vous autres à part la fin du monde? Oh, ben là! Des affaires cette année aussi. On va peut-être avoir un release, ça c'est un scoop de 60%. Ouais, on va peut-être faire des petits teasers, puis des petites tonnes et des titres, puis des petites affaires. Ah, j'ai toujours une En gros, mettons dans le concret, là, dans les prochaines 5 semaines, on joue partout au Québec avec Smash and Combo, puis avec OK Volca, et mon chum à nous de longue date, OK Volca de Montréal, mais aussi. Anyways, on a tourné avec eux autres la dernière fois qu'on est allé là-bas, puis c'est un solide band. Donc on se voit bientôt. Merci! Hi, et en passant, j'ai mélangé mes nez.